Souvenez-vous, en avril dernier étaient diffusés les 20 ans de la télé-réalité, Popstar, Tentateur et Célébrité sur TMC. Dans ce documentaire, Mila Jasmine avait indiqué le salaire qu'elle touchait grâce à la télévision et les placements de produits. La télé et les placements de produits ne vont pas l'un sans l'autre. Quand on fait de la télé-réalité, on a de la visibilité ensuite sur ses réseaux sociaux. Cette visibilité attire les marques. Mon salaire aujourd'hui est entre 80 et 100 000 euros par mois. Quid de son ami Ilan ? Celui-ci est présent, dans l'émission présentée par Martin Veil, Télé-réalité, la nouvelle influence, diffusée ce mardi 18 mai sur TMC. C'est à Dubaï, où il est installé, comme de nombreux autres influenceurs. Note de la rédaction, que le journaliste est parti à sa rencontre. Si les images n'ont pas encore été diffusées, dans une bande-annonce dévoilée, le jeune homme a déclaré percevoir entre 50 et 100 000 euros par mois. Des propos prononcés devant ses parents, impressionné. Là où il est arrivé, pour nous c'est affolant, a réagi son père. Le documentaire sera proposé dès 21h15. 2 000 euros pour une story, 4 500 euros pour un post Instagram. À Dubaï, le candidat de télé-réalité Ilan Castronovo nous explique les sommes hallucinantes qu'il empoche grâce au placement de produits. Ce soir à 21h15 sur @imctvpeak.twitter.com/nwjhlbv40o, Martin Veil @mouet, mai 18, 2021. Découvert dans 10 couples parfaits sur TFX. Le jeune homme participe à Objectif Reste du Monde, programme diffusé actuellement sur W9. Fin novembre lors d'un live sur Instagram, l'ex de Vanessa Lorraine savait parler des revenus qu'il touchait, gonflés grâce à l'application Mime, une application payante sur laquelle il est possible de découvrir des photos inédites et le plus souvent très sexy voire hot, des candidats emblématiques. Mais aussi de célèbres personnalités comme Clara Morgan, note de la rédaction. Mime, c'est un business qui me rapporte environ 30 à 40 000 euros par mois. Qui crache sur ça? Moi pas. Je pars de très loin et un billet de 30 à 40 par mois, je prends, a lâché le chéri d'Adixia. Avant que Mime arrive, il y avait déjà des vidéos de moi tout nu sur tous les réseaux, donc autant le faire payer. A voir également, Ilan, les anges, vers une nouvelle carrière d'acteur? Exclu la rédaction à lire aussi Adblock Test. Why?